Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Cet évangile est un peu paradoxal. Pour la fête du Christ roi, on essaie de contempler le Christ dans sa gloire, dans sa puissance. Et l'évangile de Saint Jean nous présente Jésus devant Pilate, couronné d'épines, méprisé, questionné comme un bandit. Pourtant, il nous invite à entrer dans son royaume par la vérité. Je replace juste cette fête, effectivement, dans cette année liturgique. Cette fête du Christ-Roi marque donc la fin de l'année liturgique, et l'année en elle-même est un résumé de toute l'histoire de l'humanité. La semaine prochaine, on entre dans l'Avent, et les dimanches de l'Avent qui préparent à Noël rappellent toute l'attente du Sauveur dans l'Ancien Testament. Les bougies de l'Avent représentent à la fois l'attente des patriarches et des prophètes, l'attente de Marie, l'attente de Jean-Baptiste. Mais elles résument toute cette histoire de l'humanité avant la venue du Christ qui vient dessiner une fracture ou en tout cas une nouveauté absolue dans l'histoire de l'humanité. Depuis Noël jusqu'à Pâques et l'Ascension, sont relatées les années les plus importantes de l'histoire, les années où Dieu lui-même est venu prendre chair, nous parler, nous révéler l'amour du Père et le moyen de le rejoindre. À partir de la Pentecôte jusqu'à ce dimanche, c'est le rappel de l'histoire de l'humanité qui doit se terminer, on ne sait pas trop quand, par le retour du Christ en gloire. Je ne voudrais pas que cette fête vous paraisse être une sorte de mythologie, d'histoire pour les enfants. Jésus-Christ, qui se rend présent dans l'Eucharistie, reviendra mettre un terme à cette histoire de douleur et de violence. Ce n'est pas plus incroyable que de reconnaître sa présence vivante dans une simple hostie. Mais c'est vrai que ça nous met un peu devant les piliers de la foi. Le Christ est roi de l'univers. Dans les lectures que nous avons aujourd'hui, trois aspects de cette royauté nous sont évoqués. Je vais les regarder d'un peu plus près. Vous avez entendu dans la première lecture que toutes les nations le verront. Il est le seul sauveur et roi de tous les hommes, de tous les pays, de toute l'histoire. C'est une royauté absolument universelle. La deuxième lecture, si vous avez été attentif à ce passage de l'Apocalypse, nous révèle que c'est un royaume de miséricorde. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Ce roi est celui qui, sur la croix, disait « Père, pardonne-leur, pardonne à ceux qui me font mourir. » Lui qui nous a aimés, lui qui a pardonné nos péchés avec son propre sang, est venu apporter un royaume de miséricorde. Mais en même temps, nous l'avons entendu dans l'Évangile, la miséricorde, l'amour, est indissociable de la vérité. Et c'est toujours un peu le problème dans nos vies où on veut soit être vrai et un peu trop durement, un peu trop sèchement. On dit la vérité, même dire ces quatre vérités, en général, ça fait un peu mal. Ou bien alors on veut l'amour sans trop se poser de questions. Un amour très consensuel, comme on dit. C'est un royaume de vérité et de miséricorde, de charité qui exige une vérité, mais ce n'est pas seulement une vérité à dire aux autres, c'est aussi une vérité à faire en nous-mêmes. Alors cette royauté est universelle. Nous, on est disciples de Jésus, bien sûr. On pourrait en tirer un peu orgueil, formidable, on a le vrai roi, oui, sauf que ce n'est pas un orgueil qu'on peut en tirer, mais plutôt une responsabilité qui nous échoit. Cette royauté, nous devons l'annoncer, cette royauté de miséricorde et de vérité, nous devons l'annoncer pas seulement en parole, mais aussi par notre vie. Savoir équilibrer en permanence
la charité et la droiture, la vérité et la miséricorde. Oui, nous sommes missionnaires de cette royauté, parce que ce roi donne la vie. Ce roi donne sa vie qui est une vie divine et donc une vie éternelle. Oui, il nous a aimés, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. À lui la gloire et la souveraineté. Oui, c'est un royaume de miséricorde, mais pour en être témoin, ce ne sont peut-être pas tant les paroles qui sont importantes, mais les actes. Au début d'une célébration, toujours, on fait une petite introspection, on regarde nos cœurs. Avons-nous des pardons à accorder à quelqu'un ? Vous vous souvenez sans doute du passage où Jésus dit « Avant de t'approcher de l'autel, si quelqu'un a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier. » Donc il y a aussi des pardons à demander. Parfois le pardon semble au-dessus de nos forces. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il nous donne son amour, cet amour qui était capable de pardonner à ceux qui le faisaient mourir. S'approcher de l'Eucharistie, c'est reconnaître que nous sommes trop petits et puiser humblement dans l'hostie, dans la présence de Jésus, un amour plus fort que toutes les haines, un amour capable de pardonner et de demander pardon. Voyez comme il s'aime. La source de la mission, c'est l'amour que nous avons entre nous. C'est pardon à donner, c'est pardon à recevoir. Et du coup aussi la manière dont on parle les uns des autres, la manière dont on parle du curé, la manière dont on parle de quelqu'un qu'on connaît. Et ça fait une petite transition avec la nécessité de la vérité. La vérité, elle commence d'abord dans nos cœurs. Être vrai, c'est aussi reconnaître sincèrement nos pauvretés et nos péchés. Quelqu'un me disait, faire un examen de conscience, regarder en vérité son cœur avec ses faiblesses, c'est un travail plus difficile que de construire un ordinateur ou une fusée. Fabriquer des choses, alors pour certains c'est difficile de faire une fusée, mais quand c'est son métier, quand on est ingénieur, quand on a été préparé à ça et qu'on sait le faire, c'est juste une question d'organisation. Exercer nos métiers respectifs, quand on est formé à ça et qu'on aime le faire, c'est pas le plus difficile. Regardez son cœur. Regardez sincèrement nos points de chute, nos faiblesses et nos misères. C'est parfois plus exigeant qu'un marathon ou qu'une réalisation de programmation informatique. La vérité commence en nous-mêmes. La vérité parfois est nécessaire aussi entre nous. Mais dire ces quatre vérités, comme on dit justement, l'expression montre bien que parfois ça fait mal et parfois on ne peut rien dire. Mais faisons attention quand on n'a pas la possibilité d'aller faire une remarque à un ami, à un parent, à un collègue de travail. Faisons attention de ne pas déraper dans la médisance. Vous connaissez la différence entre la médisance et la calomnie? Je rappelle rapidement. La calomnie, c'est quelque chose qu'on dit sur quelqu'un, en son absence bien sûr, c'est quelque chose de mauvais qui est faux. La diffamation, c'est horrible. La médisance, c'est quelque chose de mauvais sur quelqu'un, mais qui est vrai. Et souvent on se dit, comme c'est vrai, je dois bien le dire, c'est la vérité. Et ça s'appelle de la médisance. C'est-à-dire que s'il y a un problème, il faut avoir le courage et la charité et l'amour d'aller lui dire à lui. On en parle toujours à ceux que ça ne concerne pas vraiment. Et en plus on lui fait du mal. Saint François de Sales dit qu'on peut tuer quelqu'un par la parole. Bon, j'ai pas le temps de traiter le sujet, ce sera une autre homélie.
Bien sûr, la calomnie, il n'en est pas question, mais la médisance, non plus. La correction fraternelle, aller voir son frère, aller voir sa sœur, ça demande vraiment de l'amour et du courage, mais parfois, c'est pas possible, alors il faut simplement prier pour lui. Toujours l'équilibre de la charité, de l'amour, d'une vraie miséricorde et de la vérité. Mais cette charité et cette vérité ne s'unissent que dans l'humilité. Le Christ roi est roi d'humilité. Parce que la manière dont on dit une chose est aussi importante que la vérité qu'on veut dire. Dire quelque chose de vrai avec agressivité, avec orgueil, avec mépris, c'est desservir cette vérité, c'est la rendre irrecevable. Alors que c'est vrai, alors que peut-être que cette personne a besoin de l'entendre et de la recevoir. Dans quelques instants, nous allons recevoir la présence vivante du roi de l'univers, un roi d'un amour incroyable, enfin si, croyable, c'est le cœur de notre foi. Un amour qui pardonne, un amour qui se donne à nous. Est-ce aussi un roi de vérité ? Accueillons-le, laissons-le transformer nos cœurs, laissons-le déployer sa puissance, sa force d'amour pour nous rendre capables de vivre sa présence. Soyons des lumières de sa sainteté, de sa gloire, des lumières de sa royauté. Oui, ce royaume, le royaume du Christ n'est pas de ce monde. Parmi les grands, parmi les puissants de la planète, beaucoup l'ont refusé. Beaucoup veulent être les seuls rois, les seuls puissants. Mais ce royaume est déjà présent parmi nous. Accueillons-le et laissons-le rayonner entre nous. Dans la Bible, il est question effectivement de ce retour en gloire, le retour du Christ, avant le retour du Christ. Le Seigneur nous a annoncé des épreuves. Il est question de persécution, de calomnie. Ces épreuves seront au-dessus de nos forces, mais pas au-dessus des forces du Christ. Nous ne pourrons pas vivre les pages d'histoire qui se préparent sans le feu de l'amour du Christ, sans sa force, sans sa lumière. Accueillons-le maintenant. Il est le terme, il est le sommet de l'histoire. Et il vient humblement dans chacun de nos cœurs, dans l'Eucharistie.